Donc on se retrouve avec un nouveau vlog. Nous sommes dimanche. Je suis en train de travailler sur la vidéo Chine que vous aurez normalement ce dimanche. Je pense que vous allez l'avoir pour 20h30. Franchement, l'heure, on s'en fout un petit peu. Du moment que ça vous fait plaisir. Ce vlog, vous l'aurez vendredi. Et je vous tourne en fait depuis quelques semaines un vlog un peu sur toutes les préparations des 15 ans de mariage à Coralie. Et comme ça, je vous ferai vraiment un vlog spécial sur notre préparation, sur sa préparation de table, etc. Je vous la montrerai avec son mari et tout. Parce que elle a bien accepté, elle a bien voulu, parce que ça lui fera un souvenir également. Si je peux, je pense que j'essaierai de lui faire, de lui mettre sur une clé ou quoi. Je verrai bien. Bref, j'ai fini mes nuits ce matin et ça, c'est très cool. Je reprends mercredi pour 2 nuits seulement. Je devais en faire un peu plus, mais... comme c'est les 15 ans de mariage de Coralie, j'ai une de mes collègues... Je suis désolée, je vous prends n'importe comment. J'ai une de mes collègues qui a bien voulu m'en faire une parce que sinon, ça aurait été très très compliqué. Et je reprends du coup ouais, mercredi, jeudi et puis voilà quoi. Aujourd'hui, donc j'ai dormi jusqu'à 13h, 8h30, 13h. Nous avons été manger chez mes beaux-parents et après, j'ai ramené la mamie à Matt chez elle. On est rentré, j'ai rangé pas mal de choses là-haut. Je vous ai mis des choses sur Vinted. N'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted, à vous abonner. Au moins, vous avez des notifications quand je mets des choses en ligne parce que souvent, je vous en parle en vlog et quand le vlog sort, bah, il n'y a plus rien. Je suis désolée. J'ai essayé de mettre des petits prix. J'espère que ça vous plaira quand même. J'ai rangé un peu de linge et j'ai tourné ma vidéo Chine que je dois sortir aujourd'hui. Donc là, pendant l'exportation un peu des fichiers, je vous filme un petit peu 2 minutes. Et puis voilà, après je vais la monter, j'en ai pour une bonne heure à la monter, donc ouais, je pense que pour 20h30, j'espère, vous l'aurez, en tout cas vous l'aurez ce soir, ce dimanche, et après on rentamera une semaine tranquillou en vidéo. Demain je vous emmènerai, on va à Caen avec Coralie, on doit aller à Zodio, il nous manque quelques petits trucs à acheter, et puis voilà, voilà, voilà. Bref, je monte la vidéo et je vous retrouverai sans doute dans la soirée. Et vous avez vu ce glow avec ce soleil, ça c'est cool. Coucou, nous sommes lundi, on se retrouve, on est lundi matin, j'ai lissé mes cheveux, j'espère que ça va tenir parce qu'en ce moment les cheveux lisses chez moi ça ne tient pas. Je suis en grande hésitation les filles, à refaire mes extensions à Marseille. J'avais dit que je ne le referais pas tout de suite et tout, mais je suis trop en hésitation, ça m'énerve, parce que bon c'est quand même 250 euros hein. C'est pas donné. Si je vous retrouve une photo pour les nouveaux, je vous mettrai une photo ici avec mes extensions. Je les mets à la boutique s'appelle Rue des Cheveux, c'est à Marseille. Franchement, elles sont top de chez top, elles sont adorables, de très très bons conseils, etc. Et à chaque fois que je vais à Marseille, ça fait quelques années maintenant, eh bien je le fais. Il va falloir par contre que je vous parle et que je me prépare parce qu'aujourd'hui je vais à Caen avec Coralie, mais je ne sais pas si je vais vous emmener partout à Caen. Oui, je sais, à chaque fois je vous dis ça, je vous emmène pas. Mais là, si, je vous emmène avec un autre vlog sur le vlog de la cérémonie, en fait. Enfin bref, c'est toute une organisation dans ma tête. Sinon, je suis en toute réflexion également pour un nouveau tatouage. J'aimerais, je vous mettrai une photo ici. Soit faire continuer ce bras-là, donc avec la photo qu'il y a là. Ou bien, je voudrais mettre quelque chose au niveau de ma cheville. J'hésite entre le petit croquis de la Ciotat, juste ici. Et donc, le croquis de la Ciotat, c'est la bulle d'encre où je vais me faire tatouer. C'est à la Céreste. C'est un village juste à côté de la Ciotat. C'est deux tatoueurs. C'est un couple. Franchement, ils sont adorables. Tom et... Je ne me rappelle jamais du prénom de sa copine. Je suis désolée si... Au cas où que tu passerais par là, mais je pense pas. Bref, je suis très contente de mes deux tatouages. Le petit cœur et celui-ci. Il va me retoucher les deux, c'est sûr, déjà cette année. Et maintenant, j'hésite, voilà, entre le petit, entre mon bras. Mais il faut compter 300 à 350 euros, donc c'est un budget. Ou alors, quelque chose sur mon mollet. Donc, je vous ai montré. Ou alors, ah non, sur mon mollet, je vous ai pas montré. Donc, je vous mets des photos en vous parlant, hein. Ou alors donc un petit croquis de la Ciotat parce que je suis amoureuse de la Ciotat et que voilà, c'est ma vie quoi. Et un tout petit bouquet de lavande. Donc, je suis en pleine hésitation.
Je réfléchis beaucoup. Je vais ouvrir parce que je vais mourir de chaud, par contre. Hop, voilà, on a ouvert. Donc voilà, je suis en pleine hésitation. C'est navrant, je vous le dis, ça m'énerve. De ne pas savoir ce que je dois faire. C'est pas ma case qui m'aide beaucoup non plus. Oh, mais je vais pas trouver le pinceau que je veux. On va prendre celui-là. Voilà, je ne sais pas quoi faire, ça me saoule. Je vais m'éponger parce qu'il fait hyper chaud. Donc là, avant d'aller à Caen, je vais aller à la pharmacie. J'ai mon traitement à aller chercher. J'ai des colis à envoyer. Donc je vais aller faire ça. Et après, je rejoins Coralie sur Bayeux. Et ensuite, on va sur Caen. Je pense pas qu'on en ait pour la journée hein, de ce qu'on a à faire. Mais bon, sait-on jamais. Par contre, on ne va pas manger au resto parce que j'ai toujours pas mon passe. Je l'aurai dans 8 jours. Donc, nous sommes en attente. Matt, ça y est, lui a tout eu et il va très très bien. Il n'a pas été malade ni rien. Donc, c'est cool. Je suis très contente qu'il n'ait pas été malade. Ça m'aurait ennuyé en fait. Donc voilà. Un petit coup de blush. J'essaye de me réveiller un peu le teint parce que je trouve très fatiguée même. Hop. Bref, moi je vais vous laisser là, je continue de me préparer et puis je pense qu'on se retrouve dans la journée, je pense. À tout à l'heure. Putain, il est hyper lumineux. Nous voilà à Caen. Coucou. Revoilà Coco. Alors, vous savez que je n'ai qu'une dose. Coco a la chance d'en avoir deux. Du coup, on ne peut pas manger au restaurant. Donc, en toute intimité, sur un parking, on mange. Mange McDo. Je ne sais pas s'il faut appeler ça de la chance, mais. Je pense que c'est de la chance puisque nous ne sommes que toutes les deux. Personne ne va nous embêter. On a une vue, les filles. On mange au McDo de Mondeville. Sur la poubelle du McDo. C'est magnifique. Mais au moins, on voit les voitures passer. Vous savez, comme les personnes âgées le dimanche. Bref, on va manger. On a déjà fait quelques petites boutiques. Donc, on a trouvé quelques trucs pour Coco. Et le dernier truc qu'on va faire, c'est après manger ce festin, on va aller à Saint-Contest. Il y a le centre Accor, je vous ai déjà emmené. Acheter le reste, normalement, on va qui manque. Voilà. Donc, on est J-5. Mais vous verrez tout ça dans le vlog que je vous ai fait de la cérémonie. Là, c'est juste un vlog de semaine normale. Et du coup, voilà. Bref, allez. À tout à l'heure. Et on va manger notre petit festin. Coucou. Oui, j'ai une sale tête. Et ça fait bien trop longtemps que je vous ai pris. Nous sommes jeudi, il est 8h moins quart. Je suis rentrée du travail il y a 10 minutes. Je suis en train de faire du colin pané de chez Picard à Mathias pour ce midi. Comme ça, tout est prêt. Il reste des pâtes d'hier. Donc, il aura son petit repas. Moi, pendant ce temps-là, je bois mon petit café. J'ai déjà donné les croquettes à Bibi avec son complément alimentaire et son médoc. Son médoc, c'est matin et soir. Je vous ai pas trop repris là depuis lundi parce que j'ai re-entamé le traitement et j'ai des effets secondaires qui sont pas top et qui me fatiguent mentalement, donc j'ai préféré ne pas vous prendre alors que ça n'allait pas. Donc j'ai fait ma première nuit, je n'en fais que deux cette semaine puisqu'il y a la cérémonie à Coco. Je vous filme tout ça à côté, vous inquiétez pas, donc c'est pour ça il y a plein de choses que je vous montre pas que j'ai fait cette semaine, mais vous verrez lundi en vlog. Je suis allée à Action sinon pour acheter 2-3 trucs pour la fin de déco à Coralie. Mais je me suis pris un masque. J'ai pris celui-ci, le Bubble Cheek Mask. J'adore, ça pète. J'adore ce genre de masque moussant, je trouve ça trop drôle. Et j'ai pris ceci, c'est des nouveaux masques. Apparemment, c'est un effet chauffant, relaxant. Pour les yeux, donc on testera. Il faut absolument que j'en fasse avec vous. Je me suis fait un gommage et un masque hier. Je pense que j'en referai un demain soir avec vous. Ça pète de partout. Et j'ai acheté une petite carte aussi pour leur mettre dans leur boîte à cadeaux avec un petit peu de sous dedans. Donc voilà, j'ai pris cette petite carte. Il y en a deux, mais je vais lui mettre celle-ci. Voilà ce que j'ai pris avec ça. Rien de ouf. J'ai reçu, oulala, je vais y faire des conneries. J'ai reçu de Passion Beauté un chèque, ça c'est cool.
Charline était partie en vacances, elle nous a envoyé une petite carte postale également. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Hier, je me suis amusée avec les perles, mais je vous montrerai ça dans le vlog cérémonie, parce que j'ai fait des petits trucs pour moi, pour m'habiller pendant la cérémonie. Aujourd'hui, quand je me lèverai, on testera le savon au lait de chèvre de Pin-Up Secret. Ça, on va tester. Et puis, voilà. Franchement, j'ai pas fait grand-chose depuis que je vous ai pas repris. Hein. C'était lundi que j'étais avec Coralie à Caen. Je suis désolée, je vous ai pas vraiment repris avant. Mais des fois, j'ai rien à dire. Et en plus, comme je filme à côté un autre vlog, c'est vrai que c'est compliqué. Et cette semaine, je fais pratiquement que des trucs pour Coco. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Bref, moi je bois mon café, je finis de faire à manger et je vais aller me coucher. Je suis naze. On a eu une nuit très très dure. Donc je vous dis à tantôt. Coucou. Il est très tôt. On est samedi. Il est 7h moins quart. Je vous ai pas repris du tout dans le vlog. Et ce vlog, je pense que vous l'aurez que demain dimanche. Bref, on va tester le savon Pin-Up Secret déjà. Ils sont trop trop bons, je trouve. Donc, j'ai mouillé mes mains et le savon. J'essaye de mettre un maximum de mousse sur mes mains. Alors, il mousse plutôt pas mal. J'ai vu que ça rendait des peaux franchement trop trop belles. Sur certaines, moi je suis le blog de Laura par exemple sur Instagram. Et j'ai vu que c'était plutôt pas mal. Donc, pas en une journée. Mais et puis comme je vais prendre ma douche, je vais rincer ça sous ma douche. Et donc je pense que je vous reprendrai un petit peu. Je vais aller rincer ça sous ma douche. Et puis après, il faut qu'à 7h30, on soit parti, quoi. À la plage, c'est rare que vous me voyez les cheveux détachés, donc profitez-en. Et j'ai retrouvé ma Juju et on a trop de chance parce qu'il fait trop trop beau. On a fait des trop jolies photos comme d'hab. Je vous remets l'insta ici à Justine parce qu'elle fait des belles photos. Bon, les plus belles photos de qualité c'est avec moi, hein, ça. Mais elle en fait de très belles avec d'autres copines à elle et même avec des pros des fois, donc ça donne envie je trouve de faire des photos. Et on a de la chance d'avoir la plage
près de chez nous, à 15 km même pas. Donc on en profite. Vous avez Ruby dans son, sur son endroit préféré, le rebord de la fenêtre. Bref, après la plage, je me suis complètement reposée, du coup HS la fille. Donc, je clôture le vlog maintenant et je vous le mets en ligne, tant pis, il sera 22h, que voulez-vous, c'est la vie. Ce soir, nous, c'est pizza tacos pour Mathias, moi pizza, Mathias tacos. Et ces matchs de foot Marseille. Voilà. Bref, on vous fait plein de bisous. On se retrouve mardi dans un vlog de cérémonie. Et on se retrouve dans les, je pense, jeudi sur une face cam. Et voilà. Hein. On va essayer de reprendre un petit rythme. En tout cas, mardi sûr, vous avez une vidéo. Après, pour le reste de la semaine, je ne sais pas du tout quel jour et quelle heure vous aurez la vidéo. Mais mardi, 7h30, vous aurez la vidéo de la préparation, de la déco, etc. Et je pense que dans ce vlog, vous aurez des photos également. J'essaierai de vous mettre plein de choses. Mais n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que beaucoup de nouveautés vont arriver niveau photos, que ce soit cérémonie ou pas. Et j'essaie d'être un peu plus active aussi en story. Donc, n'hésitez pas. Bref, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une excellente semaine à vous et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.